Et salut à tous, c'est MythicGaming57, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'espère aujourd'hui, nouveau parti de l'FCLS, à nouveau. Bon, les amis, on est toujours disponible pour du jugement si vous voulez, c'est un jour fou, totalement, royalement, totalement, royalement, totalement, royalement, totalement, royalement. Et ben, on est parti, du coup, ça a l'air bon, on est parti. Écoutez, il y a Gürtner qui va partir à la prochaine période de transfert, mais il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut. Si personne me propose d'argent, il partira pas. Je l'ai pris mais en pensant que Oukidja et tout ça irait pas, mais finalement bah ça suffit largement. Du coup je le fais pas beaucoup jouer, ce qui est un peu normal, je suis trop attaché à Oukidja et aux autres. Non juste à Oukidja en fait, pas à Delucroix. C'est un peu con. Je suis pas attaché à Delucroix, mais je suis plus attaché à Gürtner qu'à Delucroix. Donc ça ne va pas, il faudrait déjà au moins que je le mette dans la compo Gürtner. Allez, ça c'est bien défendu là, c'est parfait, on continue, allez on y va, on y va. On marque le plus vite possible les mecs, faut marquer le plus vite possible. On a des parisiens à rattraper, des parisiens... Oula, ouais. Moi je voulais passer à un joueur, il est tombé quoi, du coup ça me fout l'action en l'air en fait là. Il est tombé à cause d'un joueur adverse en plus, là ils m'ont foutu mon action en l'air la Ligue 1 campée là. Puis du coup le jeu qui dit rien, c'est parfait ça. Oh trop fort, dommage, allez là, faut se réveiller les mecs. Allez, on se réveille s'il vous plaît, comme ça vous aurez plein de sous si vous gagnez. Allez, oh bien, bien la passe sur raté la Ligue 1 campée pour une fois que c'est les autres qui ratent une passe, c'est pas moi. Allez, ah mince, je l'ai pas récupéré, c'est dommage, j'ai toujours le meilleur bilan à l'extérieur. Faut pas chercher à comprendre, c'est que Paris a un mauvais, moins bien bilan, un bilan pire que moi à l'extérieur, mais peut-être meilleur que moi à domicile, du coup, parce que moi à domicile, j'ai pas toujours géré apparemment. Je pensais avoir plus géré à domicile qu'à l'extérieur, mais apparemment non. Bon, j'ai peut-être plus géré à domicile qu'à l'extérieur, mais du coup Paris a encore plus géré que moi à domicile. Sinon j'aurais le meilleur bilan à domicile. Bon, faut pas se cacher, j'ai quand même beaucoup de matchs nuls et de victoires, donc c'est déjà pas mal. Ouh là 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 là, dépêche-toi Oukidja, merci. Merci Ouki. Non. Ouf, j'ai eu peur. J'ai pas non plus énormément de défaites. J'en ai quelques-unes, ok. Mais pas non plus... non, pas 10. J'ai pas 10 défaites dans la saison. Je pense pas. Ah, dommage. On était pas loin. On était pas loin de l'ouverture du score. Faut continuer comme ça les mecs avant de s'en prendre un. Ce qui risque d'arriver si on continue à pas marquer. Ils ont déjà eu une action aussi, hein, je crois, si je me souviens bien. Donc faut continuer les mecs, faut continuer, faut se bouger. Allez. C'est parfait tout ça, hop, on y va là. Allez, non, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, parfait, merci. Allez, là, faut que ça passe maintenant, faut que ça passe, non. Bah, récupère-la, oui. Bon, si lui la récupère, tant qu'il y en a un de mes qui la récupère, ça me va. Oh, le but, il est parfait, il est magnifique ce but de Fernandez, là. Le gardien qui est totalement battu sur ce but. On est toujours proche de Paris avec ce but. Ça s'annonce très bien là. Faut que ça continue comme ça. Le but est magnifique. Le but est très très beau. La tête est parfaite. Le gardien ne peut rien faire. C'est juste génial. Bravo. Bravo. Bon, petit Brian. Faut continuer comme ça. Faut marquer le deuxième le plus tôt possible maintenant. Pour l'instant, on défend plutôt bien. On récupère assez bien la balle dans notre défense. Donc ça va. Et on se relance assez bien. Aussi. Ce qui est important, c'est de bien récupérer la balle, mais aussi de bien se relancer. Bon, c'est maintenant qu'on va s'en prendre un. Ouh là là, ça rentre pas, j'ai eu peur. Franchement, ça aurait pu rentrer. S'il avait été un peu meilleur sur sa frappe, ce serait rentré. Ah, corner. Ah, corner. J'aime pas les corners, j'aime pas. Je veux pas qu'il y ait un direct. J'ai pas envie de devoir tout recommencer à zéro. Là. Attention.
Oui, parfait, avec Fofana sur le côté, qui va remettre sur Sarr, qui va passer sur Fernandez. C'est très bien joué là, parfait. Fernandez qui est tout seul. Fernandez qui peut centrer peut-être pour avoir un pied. Non, dommage. Il y avait un pied qui se glissait là, mais non, ils ont réussi à la dégager avec leurs autres pieds. Attention, 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 attention. Là, il faut la reprendre. Faut peut-être la reprendre si on peut. Allez, allez. Allez, on la reprend, on la reprend, on la reprend. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Reprend, 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 reprend. Il n'y a pas été du tout là pour la reprendre, ça va pas ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Faut faire la passe en bas. Pas en haut pour Quad là. Quad il était en bas, bah, plutôt au milieu, mais bon, c'est la même chose. T'as pas fait du tout la passe au bon endroit là. Oh dommage, eux ils nous reprennent bien au moins. Faut faire comme eux quand vous reprenez un joueur là qui est dans la surface là. Pas le laisser passer là. Ah oh, mais cours plus vite Fofana. La passe était parfaite là. Si t'avais couru plus vite ça aurait été. Oui je suis très exigeant avec mes joueurs mais bon. Là je vise la première place maintenant clairement. Je peux encore l'avoir. Hein. Allez corner. C'est bien, pour l'instant on n'est pas trop mauvais. Il y a du positif à retirer de ce match. Comme dans le dernier match contre Nantes, il y a du positif à retirer. C'est qu'en défense on s'améliore quand même. Et offensivement pour l'instant ça va. Allez, 1-0, mi-temps, c'est bon pour l'instant, on est bon. Faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça les mecs. C'est le plus important. Avec ce but de Fernandez à la 26e minute. Très beau but, très belle tête de Fernandez. Bon, là, il m'a repris la balle un peu le connard là. Un petit peu con parce que là j'aurais pu avoir une belle occasion. Allez, il est bien passé Fernandez là. Ah dommage, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette passe, pourquoi. T'as loupé la passe que je t'ai demandé de faire. T'aurais pu la faire mieux que ça je pense. Allez là, faut la reprendre, faut la reprendre. Faut la reprendre les mecs, faut la reprendre. Allez voilà, parfait ça. Sur Diallo, c'est très bien ça. Allez, ça passe là peut-être avec Fofana. Ce sera un corner. Quoi? Il y a corner? Je l'ai pas touché. C'est une blague? Pardon? Mais vous allez le chercher où là le 6 mètres? Allez, la petite frappe enroulée et le 2-0. Parfait, Coad. Le 2-0 par Coad, là, la frappe enroulée qu'il a fait parfaitement comme je lui ai demandé de faire. Le gardien est totalement battu. Je me suis dit, tiens, vu qu'il est bien placé, je vais pouvoir lui faire tenter une frappe enroulée. J'ai bien fait. La frappe est parfaite, le gardien est battu, ça fait 2-0. C'est bon, ça. Pour l'instant, le 2-0, il est très très bon. Là. Même s'ils en marquent un, on a toujours un d'avance. Il faudrait qu'on marque le troisième, hein, comme contre Nantes, on sait jamais. Alors, donc, bien contre Nantes, c'est pas si loin que ça. Hein. Pas que ce soit si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça, bien grand Nantes. Peut-être pour ça, ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Contre moi. Quoique Nantes, j'ai eu moins de mal que ça à marquer les deux buts. Ça a été facile. C'est après que j'ai eu un peu plus de mal. Ils ont commencé à se réveiller en deuxième période, donc comme dans le match aller en fait. Allez, c'est parti. Fofana. Bon centre de Fofana, peut-être la tête, mais non, il était trop trop mal placé là pour mettre la tête à temps. La tête à temps, la tête à temps, la tête à temps, la tête à temps. Ok, ça peut revenir peut-être si Udol arrive à temps, non dommage. Allez, on y va, 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 on y va. Déjà, ce match-là, il n'y a aucune défaite autorisée, même les prochains, en fait. Plus aucune défaite autorisée, et plus aucun match nul autorisé, les mecs. C'est fini, tout ça. Maintenant, je vous autorise tout le temps des victoires. Faut qu'on se donne au max pour gagner tous nos matchs. Tout ce que vous avez dans vos réserves depuis le début de la saison, là, maintenant, faut le lâcher. C'est le rush, là. C'est le rush final qui a commencé. On a réussi à rattraper Paris avec tout ce qu'on a subi comme défaite et tout. Donc maintenant, on lâche plus. Non?
Non, 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 non. Merci. Bon, bah, c'est à eux, hein. En étonnant, je l'ai touché, là, je l'avoue. Il m'a un peu forcé à la toucher, mais j'avoue, j'ai touché. Allez, vas-y, vas-y, Diallo, vas-y. Non, il a été gêné, là. Dommage. Oui, parfait, ça, parfait. Là, allez, allez, allez. Ah là 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 là. Bien, bien relancé, c'est parfait, on y va. Sarr, Diallo, Sarr. Diallo, toujours Diallo. Qui va la garder peut-être s'il arrive à la reprendre. Dommage, allez, on continue là. Baliou bien qui prend bien l'adversaire. Il ne peut pas la reprendre, mais c'est pas grave. Avec Udol qui va passer sur Oukidja. Oukidja qui dégage. La petite tête peut-être. Non, c'est dommage, ça n'a pas réussi la tête là. Finalement, peut-être que l'élimination en Europa League, ça a été positif quand même pour cette saison, je pense. Pour la saison prochaine, je pense qu'on peut aller plus loin en Europa League, mais là, peut-être que cette saison, ça a quand même été positif. Parce que du coup, ça donne un peu moins de matchs, on est un peu plus tranquille à ce niveau-là, on se concentre un peu plus sur le championnat. Même si j'aurais aimé faire un parcours en Europa League, puis j'ai été éliminé un peu bêtement, mais bon, peut-être que c'est positif quand même. Peut-être qu'il n'y a pas que du négatif dans cette élimination, je pense. Faut toujours voir le positif. Même dans une élimination en Europa League. Allez, Oukidja il a géré. C'est à vous de gérer les mecs maintenant pour vous relancer là. Et allez, il faut aller l'aider là. Il faut aller aider Diallo là. On perd du temps là à cause de vous. Vous aidez pas Diallo. Vous l'aidez pas à passer là. Ça sert à quoi ça? On a perdu une grosse occasion juste parce que personne l'aide et que le pauvre il est fatigué, il a plus d'énergie. Il n'y a personne pour l'aider là, vous êtes trop loin, vous courez pas assez vite, vous êtes chiants les mecs. J'ai fait rentrer Montero là, il m'a servi à quoi sur cette action honnêtement Montero? Il aurait dû être là pour aider. Bien Kidja, bien. Très bien Kidja pour l'instant, il fait que des bons matchs. Kürtner, il peut ne pas être content, mais quand il voit ce qu'il en face, honnêtement, il peut même être content d'être dans cette équipe, même s'il joue pas. Hein. Au moins, il est dans l'équipe. Hein. Il est dans une équipe qui est en train de faire un magnifique parcours. Il peut déjà être content de ça. C'est dommage, mais c'est pas grave. Victoire, 2-0. On a gagné, donc on reste au contact de Paris toujours. Pour l'instant, c'est très très bon ce qu'on fait. Mais pourtant c'est compliqué. Hein. Ça n'a pas été si facile que ça. Paris a gagné malheureusement, donc on est toujours au contact 2, mais encore deuxième. Hein. Marseille qui est assez loin quand même, hein, finalement. Sarr est élu joueur du mois. Pas de problème. Pas de problème. Sarr qui est élu joueur du mois. C'est qui remplace qui? Ah, Duran qui remplace Boy. Boy, boy, boy. C'est qui me dit quelque chose là, la tête? À Monaco. Sa tête me dit quelque chose. Il a joué à Paris, non? Et maintenant il est à Chelsea, non lui? Ou je sais pas où il est, mais oui, il a dû jouer à Paris et à Chelsea, lui, non? Je connais pas son nom, mais oui, oui, ça me dit vaguement quelque chose. Bon, sa tête. On verra bien sur le terrain. On verra bien sur le terrain, mais oui, sa tête me dit quelque chose. Allez, faut pas les laisser marquer. On est à Metz, on a 3 points à prendre ce soir totalement. À domicile, on peut pas les perdre ces 3 points. C'est interdit de les perdre. Et on les perdra pas. Fofana, ouverture du score. Dès la 3ème minute. Magnifique reprise de Fofana pour ouvrir le score. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, on a nos 3 points du jour. Très belle reprise de Fofana. Bon, un peu bizarre, mais bon, elle est belle quand même. Alors, c'est qui? Mince, j'ai pas vu. C'était pas affiché. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Oui, c'est bien récupéré, ça. Allez. On y va. Fofana, toujours lui. Ça repasse, ça revient. Ah mince, j'ai pas eu le temps de regarder qui c'était, le joueur.
Attention, c'est bien récupéré, mais ça va revenir dans les pieds monégasques, dans les pieds messins maintenant. Avec Sarr sur le côté, là, il est tout seul. Il va centrer. Il y a un Messin pour peut-être reprendre la frappe de Fernandez, corner. Mais il a bien réussi à reprendre Fernandez. Je m'attendais pas à ce qu'il la reprenne celle-là parce qu'il était un peu mal placé au début. Même avec son contrôle, il a réussi à éliminer le joueur adverse. En fait, c'était bien joué. Allez, la petite touche. On perd un peu de terrain et de temps, mais bon, tant pis. On en perd, mais en même temps, on gagne du temps. Peut-être le 2-0. Non, Sarr, sa tête était pas assez forte. Un petit peu dommage. Pour l'instant, Monaco, il gère pas trop. Hein. Pour l'instant, ça va. Je ne prends pas trop peur. Faut faire attention quand même. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Allez, tête à tête. Un corner en plus. Un nouveau corner, là. Ça peut faire du bien. Peut-être la tête de Sarr. Non, ça va revenir là avec... Avec je sais pas qui, vu que je regarde la mauvaise équipe et que j'étais sur Monaco, j'allais dire Caleri, mais j'ai pas de Caleri à Metz. Allez, Baliou. Bien joué, Baliou, là, pour le prendre, c'est très bien. Allez, on lance Baliou, qui va lancer Habib Diallo. Habib Diallo qui la garde. Habib Diallo qui repasse. Ça revient peut-être au milieu, là. S'il la récupère... C'est pas fini, Habib Diallo, peut-être la frappe, ah dommage. Non, pas corner. C'est bien, on gère pour l'instant, on gère bien, on a un peu de mal encore à aller marquer le deuxième, mais c'est faisable. Le deuxième, il est largement faisable parce que là, on a vraiment réussi à avoir le gardien. Eh, c'est David Luiz, hein, c'est bien ce que... Je me souvenais plus de son prénom, mais... Je me souvenais plus comment trop comment il s'appelait, mais oui, je me disais que je le connaissais, c'est David Luiz. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il la fasse là, c'est peut-être une bonne idée quand même. Oh oui, c'était une bonne idée. Ils ont du mal à se relancer. Allez, allez, on y va. Allez, allez, oui, parfait, ça quad là. Allez, on y va, oui, c'est parfait. Oh mince, pourquoi il la récupère pas là? Ah là 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 là, faut pas qu'ils égalisent maintenant. Oui, corner. Ah, Okidja, t'aurais pu la récupérer là. Franchement, Okidja, il pouvait la récupérer là-dessus. Allez, c'est pas grave, ce sera un petit corner. Dégagé de la tête par Fofana, attention quand même à ce que ça revienne pas direct. Avec David Luiz là, qui fait la passe à je sais pas qui, mais on s'en fout. Okidja, qui la récupère. Allez, sur Gakpa, qui fait la passe à Udol. Qui va avancer un peu le temps que Fernandez se lance. Fernandez qui ne s'est pas lancé, mais tant pis, c'est pas grave, on a l'habitude. Et la frappe de Diallo, on était tout proche du 2-0. J'aurais peut-être dû lui faire tenter une frappe au roulé, mais je pense que j'aurais pas le temps. J'ai vu l'autre qui arrivait derrière. Donc je me suis dit, autant le faire tirer tout de suite. J'ai peut-être bien fait quand même, parce que moi, on a gagné un peu de terrain encore. On se rapproche un peu plus de leur surface. Ils ont du mal à se relancer parfois, près de leur surface, là. Allez, ils sont pas réussi à se relancer. San. La balle est à nous, messieurs, dames. Ok, c'est toujours à nous. Non, c'est Monégasque maintenant. Il faudrait récupérer la balle au plus vite. Surtout là. Ouh, surtout là. Ouh, le Caleri, là. J'ai pas confiance. Non, ça va. C'est trop fort. On l'a bien recoursé là derrière. Mais... J'ai eu peur quand même un moment, mais ça a été. Parfait, là, la petite passe. Allez, ça passe dans le trou, là. Petit trou de souris où ça passe. C'est parfait, là. Elle est pas sortie la balle, elle est pas sortie, il faut y aller. Allez, merci. Gakpa qui vient aider Udol, Gakpa qui aura le temps de centrer, la tête peut-être de Sarr, non. Récupéré peut-être à temps par Coad, non, dommage. T'as pas pu la récupérer la Coad. Allez, allez, on y va. Oui, parfait là. Oh mince, j'ai pas contrôlé Sarr. Allez, c'est pas grave, Baliou. Qui peut balancer devant, qui peut monter, ça peut monter encore. C'est passé avec Fernandez. Fernandez qui se retourne, qui se place pour tirer. Il est gêné, c'est dommage. Allez, on revient. Monaco en deuxième mi-temps, il reste de se réveiller. Donc il faut marquer peut-être un deuxième but avant la mi-temps, mais ça va être très compliqué. Ça va être même infaisable, je pense. Quoique peut-être maintenant avec Coad sur le côté, qui lance peut-être Diallo. Oui, Diallo qui est lancé. Diallo qui va pouvoir centrer. Le centre de Diallo, la reprise de Sarr. On n'était pas loin.
On était pas loin du 2-0. Et c'est la mi-temps. Faut continuer comme ça en deuxième mi-temps et ce sera parfait. On aura la victoire tranquille. Allez, on est parti avec Diallo qui va aller direct au contact pour chercher le ballon. Diallo qui ne récupérera pas le ballon. Ouh, le mauvais tac. Là, j'ai mal géré, c'est dommage. Ouh là là, il la récupère. Attention, Okidja. Bien joué, Okidja. Attention là. Oui, récupère là peut-être Diallo. Non, dommage, il ne peut pas la récupérer. Ça va revenir pour les Monégasques. Il faut faire attention aux relances là parce qu'on relance mal pour l'instant. Attention, ça va égaliser. Ouh, j'ai eu peur. Allez, un petit carton jaune. Non, ça va. On lance direct devant. Pour l'instant, ça va. On arrive à se lancer bien. Allez, avec Fofana sur le côté qui passe. Pour l'instant, c'est parfait. Fofana, il est bien passé. Il centre. Ça va pas passer. Peut-être revenir sur un Messin maintenant. Le centre de Fofana était très mauvais quand même. Faut avouer qu'il était très mauvais son centre. Et ça en touche pour nous. Bon pressing de Diallo. Pressing parfait même plutôt. Parce que bon, c'est pas un mot assez fort. La frappe peut-être tentée par Baliou. Ouais, dommage. On va tenter de revenir direct avec Fernandez là qui va tenter de la reprendre. Non. Allez. Allez, on la reprend là. Oui, parfait, c'est bien ça. Allez, avec Fofana. Il faut l'aider là, il faut l'aider en haut. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, mais oui, mais il n'y a personne qui vient là. Je peux pas tout faire, moi. Je veux pas l'envoyer au centre tout de suite parce que je sais que ça passera pas. Si je l'envoie au milieu de la surface tout de suite, ça passera pas, je le sais. Je vous connais les mecs. Je vous connais, ça passera pas. Ouh, la belle frappe de Fernandez derrière la reprise de Diallo. Dommage. La frappe de Fernandez était magnifique, dommage qu'elle ait été contrée. Il faut qu'encore une fois continuer comme ça les mecs. Pour l'instant, ça va. Faut peut-être penser à marquer le deuxième un jour, mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, fonce, 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 Gakpa, là, tu peux la voir. Oui, Gakpa, il l'a, c'est très bien, bravo, Gakpa. Ah, trop forte la tête. Dommage, c'est pas grave, Isma, c'est pas grave. T'as tenté, c'est pas grave. C'était bien quand même. Un peu trop forte, mais c'est pas grave. Son gardien avait bien prévu qu'elle partirait du côté là. Qu'il l'aurait eu, qu'elle soit en lucarne ou pas. Allez. Allez, Sunzu qui va y aller là. Qu'il la renvoie très mal là. C'est pas là que je voulais que tu la renvoies. Je voulais que tu l'envoies tout de l'autre côté. Mais ça va être géré. On va l'envoyer au Okidja qui va bien dégager la balle. Bon, c'est mal dégagé par Okidja. Uki, là, ta relance, elle était mauvaise. T'as de la chance qu'on se foire pas trop derrière. Même si là, c'est mort. Parce que pour l'instant, là, Uki, t'as mal géré ta relance et tu nous mets un peu dans le caca. Allez, Montero sur le côté. Il a de l'énergie, Jamiro Montero. Il va pouvoir remettre sur Ismaïla Sarr, là. C'est très bien joué. La tête de Diallo et le 2-0. Un nouveau but de Diallo. Encore une fois un but de Diallo qui est en train de vraiment remonter dans le classement des buteurs. Abid Diallo qui inscrit le deuxième but de Metz. C'est parfait. Et on va faire entrer Gauthier à la place de Marvin Gakpa. Bon, pour l'instant, toutes mes victoires se concluent avec un beau 2-0. Franchement, c'est bien. Il y a des buts, il y a des beaux buts, il y a du bien. En tout cas, dans cette vidéo, j'ai fait 2 fois 2-0 pour l'instant. Même si le match là est pas fini, je peux faire encore plus. Mais je sais pas si je ferai plus, il n'y a pas beaucoup de temps. Puis il y a peut-être encore un 2-1 qui peut être inscrit. Mais pour l'instant, j'ai fait 2 fois 2-0 dans ce match. Dans cette vidéo. Donc ça va. Et on était tout proche du troisième. Le poteau qui est touché. Et c'est parfait. C'est excellemment bien mis en touche par Udol. C'est excellemment bien joué de la part de Mathieu Udol là. Ouais, je sentais qu'ils allaient la perdre, qu'ils pouvaient la perdre. Oh, la belle frappe de Gauthier. C'est pas fini avec Brian Fernandez qui monte sur le côté là. Brian Fernandez, il utilise toute l'énergie qui lui reste là. Il veut qu'on inscrive ce troisième but là.
Allez, c'est récupéré encore une fois par Baliou, qui envoie en bas sur Gauthier. Qui tente là, peut-être avec Diallo, peut-être de l'autre côté, non, c'est dégagé. On revient quand même avec Baliou, je crois. Oui, c'est Baliou. Qui va peut-être pouvoir centrer s'il se remet bien. Le centre de Baliou, la tête de Fernandez peut-être. Ah, bah, c'est forte la tête de Fernandez là. Il était pas dans le bon sens aussi. On peut l'excuser, il était pas dans le bon sens. Oui, c'est bien récupéré ça avec Gauthier là. Ça repart pour Metz. Tout en haut, nous avons Jamiro Montero qui peut centrer. Le centre de Montero. Diallo tout seul, la tête de Diallo. Encore une fois arrêté par le gardien. On est bien là, on est bien, on est bien. On continue le bon pressing là. Ils n'arrivent même pas à marquer un but. Ils n'arrivent même pas à aller chercher le 2-1. Ça va être la fin. La victoire 2-0. Parfait. Nouvelle victoire 2-0. Voir ce que Paris a fait. Peut-être qu'on peut les rattraper maintenant. Être à égalité avec eux. Cherche le score du PSG qui n'a pas joué pour l'instant. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Et donc, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour qu'ils perdent. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Bon, en tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et surtout, abonnez-vous! Allez, salut!